These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Waiting at a cafe near the movie theater, Mireille notices a man in black behaving strangely nearby. Robert is almost on time. He is impatient with the commercial stuff that precedes the movie, and Love in the Afternoon turns out to be much closer to PG than to R. Vendredi après-midi, 2h moins le quart. Mireille attend depuis un quart d'heure à la terrasse de la rotonde. À la table à côté est assis un monsieur d'une quarantaine d'années. Il a une moustache noire, les ongles noirs. Il est tout habillé de noir. Chapeau noir, cravate noire, complet noir, imperméable noir, chaussures noires. Il a aussi une chaussette noire, mais l'autre est rouge. Il a posé une paire de lunettes noires à côté de sa tasse de café noire, bien sûr. Il cligne d'un œil, puis de l'autre, puis des deux. Ce tic agace prodigieusement Mireille, qui va se lever et partir quand elle aperçoit Robert assis à la terrasse du café d'en face. Il regarde nerveusement autour de lui, à droite, à gauche. Il regarde sa montre. Puis il lève les yeux et tout à coup, il semble découvrir qu'il y a un café en face. Il se lève, comme un ressort, bondit, fait quelques pas en avant, s'arrête, revient en arrière, jette un billet sur la table, repart en courant, s'élance sur le boulevard, sans regarder ni à droite ni à gauche. Un coup de frein strident, un juron retentissant, mais incompréhensible. Mireille a fermé les yeux. Quand elle les ouvre, Robert est assis à côté d'elle. Je suis pas en retard, non ? Non, non. De toute façon, ça ne commence pas avant 2h. Tu veux qu'on y aille ? D'accord, on y va. Bon, allons-y. h 50, devant le cinéma. Deux places, s'il vous plaît. Attends, j'ai ma carte d'étudiant, moi. Une place étudiant, s'il vous plaît. Voilà, ça fait 64 francs. Mais il faut que vous attendiez un peu, ce n'est pas encore ouvert. C'est dommage que nous n'ayons pas pu venir lundi. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher le lundi. Voilà, vous pouvez entrer. Merci. Merci. Une ouvreuse prend leur ticket et leur indique des places. Et si ça ira ? C'est pas un peu trop loin de l'écran ? Alors ici ? Merci. Tu as les tickets, elle te les a rendus ? Oui, mais tu as entendu comme elle a dit merci ? Son ton n'était pas très aimable. D'ailleurs, pourquoi m'a-t-elle remercié ? Je ne lui ai rien donné. Mais justement, c'est pour ça. Elle s'attendait à ce que nous lui donnions un pourboire. Ah bon, il faut donner un pourboire aux ouvreuses ? Ben oui, c'est l'habitude. Je ne savais pas. Tu aurais dû me le dire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Comment veux-tu que je sache ? Je ne suis pas au courant, moi. Oui, ce n'est pas bien grave. Quand est-ce que ça va commencer ? Bientôt. Un peu de patience. Justement, les lumières s'éteignent. On passe d'abord de la publicité. Réclame pour du café. Pour vous, Nescafé ouvre la route des grands cafés. Du Costa Rica au Guatemala, du Nicaragua à la Colombie, les grands cafés du monde. Descendus des hauts plateaux, ils ont franchi les montagnes, traversé les vallées. Aujourd'hui, les voici en Nescafé, pure Colombie.
arabica à l'arôme puissant. Pure Colombie, pure arabica, deux grands crus du café par Nescafé. Une planche à voile. Les étoiles de mer. Des planches à voile pour tous. Un dentifrice. C'est deux dentifrices. Il y a un tube de trop. Vous m'humiliez. Oh, vous vous égarez, ma chère. Un pour me rafraîchir la laine, l'autre au fluor pour mes dents. Rien de plus. Vous êtes encore plus ringard que je n'imaginais. Très près fluor, double effet. Il protège les dents et rafraîchit la laine en même temps. Gary, si vous tenez à moi, un seul dentifrice, d'accord? Très près fluor, double effet. Il protège les dents et rafraîchit la laine en même temps. Un rasoir. Bic, le rasoir qui ne se démonte pas. Simple comme Bic. Du cognac. Rémi Martin, cognac fine champagne, exclusivement. De l'eau minérale. Il faut que j'élimine. Une machine à écrire électronique. Et puis me tourner autour, j'avais peur. En même temps, elle m'a tiré. Je pouvais en parler à personne. Vous voulez savoir comment j'ai écrit mille façons d'accommoder le latin? Avec ma brother P44. Par le bout du tunnel. Mmh. Ultra légère, totalement silencieuse. Ma mère voulait une fille. Écriture par enfance, j'étais comme paralysé. 4000 caractères de mémoire, j'ai apporté un imprimante pour micro-ordinateur. Je déteste le rose. Remarquez. Résultat, une façon d'accommoder le lapin, 500 000 exemplaires. Ça fait du bien de parler. N'est-ce pas? Brother EP44, l'écriture électronique passe partout. Et finalement, des bonbons. Choco, la caramel très tendre de la fille qui chante, en vente dans cette salle. À ce moment précis, les lumières se rallument et les ouvreuses deviennent vendeuses. Demandez dans la salle bonbons esquimaux. Tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu, moi. Moi je suis venu pour voir l'amour l'après-midi. Mais oui, ça va venir. Il faut que tu aies un peu de patience, voyons.
En effet, les lumières s'éteignent. Je crois que ça ne commencerait jamais. Dis, il faudrait que tu m'expliques si je ne comprends pas, hein. Ouais, promis. Je te ferai un petit dessin. Et tais-toi maintenant. Chut. Ils vont pas bientôt se taire, ces deux-là. Parce qu'il y a des gens mal élevés, quand même. Le film raconte l'histoire d'un monsieur d'une trentaine d'années, un jeune cadre, dynamique, sympathique, marié. Il retrouve une jeune femme un peu bohème qu'il connaissait avant son mariage et qui se met en tête de le séduire. Ils se rencontrent plusieurs fois l'après-midi. Il est tenté, mais au dernier moment, il s'échappe. Il retourne à l'amour de sa femme, l'après-midi, bien sûr. Enfin, tout cela est très moral. Tout est bien qui finit bien, comme dit ma tante Georgette. Alors, où sommes-nous? Nous sommes à Montparnasse, la terrasse de la Rotonde. Mireille attend. Qui? Robert, évidemment. Il n'est pas là. Il est en retard. Ils avaient rendez-vous à 1h30. Il est 2h moins le quart. Robert est en retard. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dû se perdre. À une table, près de celle de Mireille, il y a un monsieur d'une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années? Non, non, il n'a pas 50 ans, non. Lui, oui, il doit avoir la cinquantaine. Vous avez quel âge? Pas loin de la cinquantaine. Mais lui, non, il n'a sûrement pas la cinquantaine, non. La quarantaine, peut-être, la trentaine. Entre 30 et 40 ans, disons. Et alors, il est bizarre, ce monsieur. Il est bizarre parce qu'il est tout en noir. Il est tout habillé en noir. Il a un chapeau noir. Il a une cravate noire. Il a aussi un costume noir. Un costume, pantalon et une veste. Regardez, il porte un costume, une veste et un pantalon. Ce monsieur a aussi un imperméable noir. Un imperméable pour la pluie, un imper. Lui aussi, il porte un imper et elle aussi. Lui aussi, il porte un imper. Et lui, il enlève son imper. L'homme a aussi des chaussures noires. Des chaussures. Ça, c'est un magasin de chaussures. Il achète des chaussures dans un magasin de chaussures. Lui aussi, il achète des chaussures. Elle aussi, elle essaie des chaussures. Regardez. Jeanne, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement un magasin de chaussures. Le monsieur bizarre a des chaussures noires. Il a aussi des chaussettes noires. Une chaussette. Des chaussures. Des chaussettes. Ce monsieur a des chaussettes noires. En fait, il n'a qu'une chaussette noire, parce que l'autre est rouge. Bizarre, bizarre. Il a les moustaches noires, les cheveux noirs. Et il a aussi les ongles noirs, les ongles. Robert se coupe les ongles. Est-ce qu'il a les ongles noirs? Non. Ici, Mireille se fait les ongles. Ça, ce sont les ongles de Mireille. Et ça, c'est un des oncles de Mireille. Un ongle, un oncle. Ce monsieur a aussi des lunettes noires. Il a posé ses lunettes noires à côté d'une tasse de café noir. Ce n'est pas du café au lait, c'est du café noir, sans lait, un express. Ce monsieur est bizarre aussi parce qu'il a un tic. Il a un tic nerveux. Il cligne des yeux. C'est le verbe cligner. Et ça, ce sont des clignotants. Ce tic agace Mireille. Alors, elle va partir, mais elle aperçoit Robert. Où est-ce qu'il est, Robert? Il est en face, de l'autre côté du boulevard. Il s'est trompé de café. Quand il s'aperçoit qu'il y a un autre café en face, quand il comprend qu'il s'est trompé de café, il se lève très vite. Il se lève comme un ressort. Un ressort. Des ressorts. Il se lève comme un ressort. Il bondit. Voyons, qu'est-ce qui bondit? Une panthère bondit. Une voiture qui a des reprises foudroyantes bondit. Voilà une voiture qui bondit.
Robert fait quelques pas en avant, il s'arrête, puis il revient en arrière. Il fait demi-tour. Il revient en arrière parce qu'il a oublié de payer. Robert est un garçon honnête. Regardez, la voiture revient en arrière. Robert part, il s'arrête et il revient en arrière. Et il jette un billet sur la table. Lui, il jette un bonbon. Lui, il jette une pierre. Et cette dame jette une vieille chaussette. Celle-ci jette un flacon de poison à la poubelle. Lui, il va jeter le croissant, vous allez voir. Marie-Laure jette un vieux fromage. Marie-Laure jette un paquet de biscuits vides. Robert jette un billet sur la table. Puis il repart en courant. Ici, il marche et ici, il court. Il court. Il court. Il court. Il court. Courez chez Citroën. Eux aussi, ils courent. C'est le verbe courir. Robert s'élance sur le boulevard. Il court. Il se lance en avant. Il s'élance. Il s'élance dans le vide. Il s'élance. On entend un coup de frein strident. Un coup de frein. Un coup de volant. Un coup de poing. Un coup de pied. Un coup de pied. Un coup de pied. Un coup de marteau. Un coup de couteau. Un coup de sabre japonais. Un coup de statue. Un coup de téléphone. Un coup de téléphone. Un coup de sonnette. Un coup de sonnette. C'est Hubert. Je reconnais son coup de sonnette. Quand Robert s'élance sur le boulevard, sans regarder ni à droite ni à gauche, on entend un coup de frein strident. On entend aussi un juron retentissant. Putain, merde! Putain, casse-toi! Sale con, foiré! Est-ce que Robert s'est fait écraser? Est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Nous ne pouvons pas le tuer tout de suite. Nous avons encore besoin de lui. L'étude du subjonctif vient à peine de commencer. Robert ne s'est pas fait écraser, mais il a bien failli se faire écraser. Je ne suis pas en retard, non? Non, non. De toute façon, ça ne commence pas avant 2 heures. Tu veux qu'on y aille? D'accord, on y va. Allons-y. Et ils y vont. C'est notre vieil ami, le verbe aller. Tu veux qu'on y aille? D'accord, on y va. Allons-y. Ils y vont. Robert et Mireille demandent 2 places. 2 places, s'il vous plaît. Des places de cinéma. Des places de train. Madame Bello place les gens. Elle leur indique leur place. C'est ma place! C'est ma place! C'est ma place! Ici, Mireille a pris la place de Marie-Laure. Allez, Oust! Rends-moi ma place! C'est dommage que nous n'ayons pas pu venir lundi. Pourquoi? Parce que c'est moins cher le lundi. L'ouvreuse attend. Elle attend un pourboire. Elle attend qu'on lui donne un pourboire. Elle s'attend à un pourboire. Elle s'attend à ce qu'on lui donne un pourboire. Mais Robert ne lui donne pas de pourboire. Il ne sait pas qu'il faut donner un pourboire aux ouvreuses. Il n'est pas au courant. Et toi, Jean-Claude, tu es au courant? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Il n'est pas au courant. Quelquefois, c'est dangereux d'être au courant. Il vaut mieux ne pas être au courant, écoutez. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police? Parce que ces gens-là sont trop dangereux. Vous savez que je suis au courant. Ils me tueraient, moi aussi. Je ne savais pas. Tu aurais dû me le dire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Comment veux-tu que je sache? Comment veux-tu que je le sache? Robert ne sait pas. Il ne peut pas savoir. Il n'est pas au courant. Ici, c'est Madame Bello qui n'est pas au courant. Elle ne sait pas. Elle ne peut pas savoir. Tu ne sais pas où est mon Astérix? Comment veux-tu que je le sache? Sache, c'est le subjonctif du verbe savoir. Comment veux-tu que je le sache? Maintenant, à vous. Vous allez parler un peu. Écoutez bien le dialogue entre Robert et Mireille. Et puis, vous jouerez le rôle de Robert. Elle s'attendait à ce que nous lui donnions un pourboire. Ah bon, il faut donner un pourboire aux ouvreuses? Ben oui, c'est l'habitude. Je ne savais pas. Je ne suis pas au courant, moi.
Comment veux-tu que je sache? Maintenant, à vous. Vous êtes Robert. Elle s'attendait à ce que nous lui donnions un pourboire. Ah bon? Il faut donner un pourboire aux ouvreuses? Ah bon? Il faut donner un pourboire aux ouvreuses? Ah bon? Il faut donner un pourboire aux ouvreuses? Ben oui, c'est l'habitude. Je ne suis pas au courant, moi. Je ne suis pas au courant, moi. Je ne suis pas au courant, moi. Comment veux-tu que je sache? Comment veux-tu que je sache? Comment veux-tu que je sache? Après la publicité, les lumières se rallument dans la salle et les ouvreuses deviennent vendeuses. Les ouvreuses se transforment en vendeuses. Elles vendent des bonbons, des esquimaux. Demandez dans la salle bonbons, esquimaux. Voilà une vendeuse de journaux, une vendeuse dans une pâtisserie, un vendeur dans un grand magasin. Enfin, le film commence. Robert a peur de ne pas comprendre. Il fait un peu l'idiot. Dis, il faudrait que tu m'expliques si je ne comprends pas, hein? Ouais, promis? Je te ferai un petit dessin. Avec un dessin, on comprend mieux, c'est vrai. Mais proposer un petit dessin, c'est ironique. En général, les gens comprennent sans petit dessin. Écoutez Marie-Laure ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas? Tu veux pas que je te fasse un petit dessin? Allez, Oust, rends-moi ma place! Je te ferai un petit dessin. Et tais-toi maintenant. Chut! Ils vont pas bientôt se taire, ces deux-là? Chut! Ça veut dire taisez-vous, vous vous rappelez? C'est le verbe se taire. Que la peinture à l'eau. Tu vas te taire? Je me tairai si je veux. La peinture à l'eau, c'est plus difficile. Mais tais-toi! Marie-Laure, tais-toi, s'il te plaît. Tiens-toi bien. Les enfants bien élevés doivent se taire à table. Et les gens bien élevés se taisent au cinéma. Parce qu'il y a des gens mal élevés, quand même. Robert est mal élevé parce qu'il parle au cinéma. Hubert est très bien élevé. Mais Marie-Laure n'est pas toujours très bien élevée. Marie-Laure? Quoi? Arrête! Tu m'embêtes! Est-ce que tu peux être mal élevée? Mireille non plus n'est pas toujours bien élevée. Merde! Qu'est-ce que tu es mal élevée? Bien ou mal, monsieur et madame Bello ont élevé 3 filles. Et ce monsieur, lui, élève des chiens. C'est un éleveur de chiens. Monsieur Moric élève des chiens de race. Et eux, ils élèvent des huîtres. L'élevage des huîtres? C'est un métier qui ne s'improvise pas. On élève aussi des poulets. Le héros de L'amour l'après-midi est un jeune cadre, un chef d'entreprise, un chef de bureau, quelqu'un qui dirige, qui a des responsabilités. Eux, ce ne sont pas des cadres, ce sont des ouvriers. Madame Bello, qui est chef de service, est un cadre. Ce sont sûrement des cadres. Ce jeune monsieur, ce jeune cadre dynamique et sympathique, rencontre une jeune femme un peu bohème. Elle est un peu bohème, elle est un peu fantaisiste, elle ne mène pas une vie très régulière. Cette dame n'est pas bohème du tout. Celle-ci a l'air un peu bohème, oui. Celle-ci aussi. Alors cette jeune femme un peu bohème se met dans la tête de séduire le jeune cadre dynamique. Elle se met dans la tête, elle décide de le séduire. Le jeune cadre sympathique, etc., est tenté. Ici, c'est Ève qui est tentée. Le serpent tente Ève. C'est une scène de tentation. Le jeune cadre sympathique, etc., etc., résiste à la tentation. Il échappe à la tentation. Il s'échappe et il va retrouver sa femme. C'est une histoire très morale. Enfin, tout cela est très moral. Bon, à vous maintenant. Voyons ce que vous pouvez dire. Regardez Mireille à la terrasse de la rotonde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend. Elle attend qui? Robert, évidemment. À côté de Mireille, il y a un drôle de monsieur. Comment est-il habillé? Il a un chapeau noir et une cravate noire. Regardez M. Courtois qui arrive. Qu'est-ce qu'il a sous le bras? C'est un imperméable. Qu'est-ce qu'elle essaie? Des chaussettes ou des chaussures? Des chaussures.
Il a les moustaches noires. Il a aussi les ongles noirs. Regardez Marie-Laure. Elle a fini le paquet de biscuits. Et qu'est-ce qu'elle fait avec le paquet vide? Elle le jette. Qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent ou ils courent? Ils courent. Regardez Marie-Laure. Qu'est-ce qu'elle donne à Mireille? Des coups. Et Robert, ici, il donne un coup de téléphone. Et ça, c'est un coup de frein. Regardez, c'est une ouvreuse ou une vendeuse? C'est une ouvreuse. Et ça? Ça, c'est une vendeuse. Regardez Marie-Laure, ici. Elle est bien élevée ou mal élevée? Mal élevée. L'amour l'après-midi, c'est une histoire morale ou immorale? Oh, c'est une histoire morale, très morale. C'est peut-être très moral, je n'ai rien compris. Ça ne fait rien, ne t'inquiète pas, je t'expliquerai. Je te ferai un petit dessin. Chut! Ils vont pas bientôt se taire, ces deux-là. Oh là 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 là, est-ce qu'il y a des gens mal élevés quand même? On ne peut plus dormir tranquille. Annenberg Media. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. For information about this and other Annenberg Media programs, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org.